Nommé garde des Sceaux par le président français Emmanuel Macron en juillet 2020, Éric Dupond-Moretti est un membre du gouvernement décrié. Mis en examen pour prise illégale d'intérêt depuis juillet 2021, le ministre de la Justice, qui a été reconduit dans ses fonctions par la première ministre Elisabeth Borne en juillet 2022, peut compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. Selon l'ancienne secrétaire d'État Marlène Schiappa, l'avocat de 62 ans vouerait une certaine admiration au président de la République. Il est fasciné par le président. Par son histoire de self-made man, a-t-elle déclaré à Libération, ce 4 novembre. Né à Maubeuge, Éric Dupond-Moretti est le fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage originaire d'Italie. L'avocat de métier a donc travaillé dur pour atteindre ses objectifs professionnels, rappellent nos confrères. Est-ce cette caractéristique qui est à l'origine de son admiration pour le chef de l'État, supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3? Un membre du gouvernement mis en examen, Éric Dupond-Moretti, est poursuivi par la Cour de justice de la République, CJR, une institution créée en 1993 en vue de juger les premiers ministres, ministres et secrétaires d'État accusés de crimes ou délits en lien avec leur charge, rapporte Public Sénat. Mis en examen pour prise illégale d'intérêt, il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il a été opposé avant son entrée au gouvernement, précise Le Monde. Des faits qu'il a toujours niés. Après que la CJR a ordonné l'ouverture d'un procès à son encontre en octobre 2022, Éric Dupond-Moretti, que plusieurs hommes et femmes politiques de gauche enjoignent de démissionner depuis la révélation de cette affaire, a déclaré à Public Sénat, cette mise en examen ne l'a jamais empêché de travailler, après avoir clamé, pour le reste, j'ai toujours dit que je tenais ma légitimité du président en place et de la première ministre, et de seulement. Pour rappel, Elisabeth Borne a déclaré qu'elle était favorable au départ du ministre en cas de condamnation, a rapporté Libération. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.